Chers amis à qui j'ai déjà promis le déconfinement, bonjour. Nous poursuivons donc cette série de lectures avec aujourd'hui un auteur, Philippe Leux, et son recueil Le mendiant sans teint, paru aux éditions Le Coudrier. On m'afflige de solitude aux heures les plus froides. Aux heures les plus froides, ne me protège que la peau. Encore qu'il faille s'entendre sur ce mot qui me blesse le cuir, qui me blesse le cuir d'être si tanné, d'être si tanné. Ma peau n'est qu'un poème déserté, un poème déserté qui m'inflige patience. On dit que les trottoirs sont de vrais miroirs de nos vies. Nous vivons dans la plus pure des transparences, mendiant sans teint, qu'on suit d'un œil policier, comme peuvent le faire les chiens, aux heures les plus sombres. J'arrive au nœud de la douleur, à s'allonger ainsi sans se plaindre. Sauf si le mur piqueté de fantômes ou le siège penché empêche de rêver et m'éloigne en un sort de lente déshérence. Rien, le moindre signe serait déjà appel d'air ou réponse au vide. On est passé tout à l'heure à gauche de ma sébille sans rien y ajouter, sinon un pas pressé. D'en découdre avec le corps, plié, déplié, déployé, de trop. Graver le visage du temps, de l'âge sur l'air pâle du visage, étendre la fatigue et le soir en large couche, pour affronter ce vis-à-vis qui m'égratigne, du moins. Je tente de continuer à vivre, de continuer à vivre comme si. Je me concède quelques droits. Par exemple, écrire sur le peu qui déborde du jour. Lumière rase, fenêtre immobile, neutre. Ou bien je récuse le livre qui m'enjoint à poursuivre entre rêve et réalité dans l'impassible teneur de la joie. Il ne veut pas sortir de soi. La neige a tout bloqué. Ses jambes sont des murs trop à franchir. Que ne fait-il à sous? D'un peu de patience. Il reste qu'il a froid aux reins, à cette neige de mendiant sans teint, qui ne se protège de rien, même pas du court mépris, qui est battement de cils, sur un ciel trop blanc, sur un vide échaudé, que peuple trop peu. De mots. Il passerait sous les gouttes s'il n'avait ce teint d'hiver, le mendiant qui peine à trouver une sébille pour y poser son âme qui la brève, puisqu'il pense la perdre tous les soirs dans l'ivresse un peu vaine. De l'attente. Voilà, c'est donc terminé pour cette série de lectures consacrée au mendiant sans teint de Philippe Leux, que je salue au passage. Nous nous retrouvons vraisemblablement demain pour une nouvelle série de lectures consacrée, je crois, cette fois
À mon ami Florence Noël, je vous remercie. Au revoir.